Mardi soir, à la salle Jean-Bouin, les joueurs de l'ABC et ceux de Saint-Léonard se sont succédés à l'entraînement. Et visiblement, c'est l'entente cordiale. Mais attention, vendredi soir, sur le parquet, ils ne se feront aucun cadeau. Même si les deux clubs essayent de réfléchir à une union en vue de la saison prochaine, la rivalité est plus que présente. Cela annonce un derby détonnant qui arrive lors de la dernière journée de la phase aller. À Saint-Léonard, on attendait cet événement avec une certaine impatience. C'est pas un match anodin, c'est un match important parce que quelque part, ça va être la suprématie. Je dirais, un club qui a connu le haut niveau contre un club qui découvre le haut niveau dans un championnat national. Donc forcément, ça a été mis en fluo sur notre agenda. Maintenant ça reste aussi un match parmi tant d'autres. Car voilà, aucun des deux clubs ne peut se permettre de perdre. L'ABC vivrait cela comme une véritable humiliation. Quant à Saint-Léonard, après 6 défaites de rang, l'équipe doit absolument se relancer. Sur le papier, l'ABC est supérieur, mais c'est un derby et à Saint-Léonard, on veut y croire. Ça va jouer beaucoup au niveau de l'envie. Et après, nous, il faut qu'on fasse valoir notre jeu collectif, quoi, qui nous fait gagner des matchs, qui nous a fait monter en N1, je pense, et qui nous a fait aussi gagner les matchs de début de saison. C'est Saint-Léonard qui accueille, mais le match se joue à Jean-Bouin. Alors avec plus de 3000 spectateurs, dont la plupart seront aux couleurs de l'Étoile d'Or, pas sûr que l'ABC se sente à domicile.